Édition du 6 janvier 2021, Max. Enfin, l'année 2020 est terminée. Et là, à quelques heures d'un nouveau confinement complet au Québec. Écoute, on va avoir du temps en masse pour parler de basketball dans cette première édition donc du Balado du Centre-Ville 2021. Dans quelques minutes à peine, on va aller rejoindre Charles Dubébret, avec qui j'aurai la chance de décrire deux matchs vendredi. Le temps également de vous rappeler qu'il y a un match ce soir sur les ondes de RDS que je décrirai en compagnie de William Archambault à compter de 19h30. Celtics contre Heat, donc deux formations qui se sont affrontées la saison dernière en match éliminatoire en finale de l'Est. Max, à quel genre de match tu t'attends entre des Celtics qui vont bien, mais une attaque du Heat qui va pas mal moins bien? Écoute, c'est drôle, je lisais un peu pour préparer les notes. Ça fait 100 jours exactement que le Heat a battu les Celtics. Puis, qu'on a mis la barre un peu trop haut. On est très jeune, là. On joue pour 500, 3 victoires. Mais notre efficacité en offensive, là, on est 26e dans la ligue. Là. Donc, on a beaucoup de difficultés à être efficace côté attaque. Je pense que la perte d'un joueur comme Jay Crowder, un joueur qui était capable de marquer beaucoup de tirs de 3 points, réussir à un haut pourcentage, pardon, ça leur fait mal. Mais écoute, c'est seulement 6 matchs. De l'autre côté, je pense que Boston va extrêmement bien dans les circonstances. Kemba Walker, il faut mentionner, n'a pas joué. Il est encore blessé, si je peux dire, ou c'est la mesure là, qui traîne depuis belle lurette. On est 5-3-3 défaites côté de Boston. On a perdu un match contre les Pistons que je pense qu'on l'a laissé échapper, mais on a perdu par 3. Puis on a perdu par 1 contre Indiana. Fait que, on aurait ce matin, là, donc puis, là, c'est la meilleure saison qu'ils ont à vie. T'sais. Donc moi, je pense que Boston joue très bien. On les a vus contre les Raptors. Le seul problème pour Boston, c'est que t'as deux joueurs étoiles en Brown et Tatum. Walker joue pas. Et après ça, t'as juste marqué 12 points par match. T'sais, après ça, c'est tous des rôles, des joueurs, soit des réservistes ou des joueurs. Thompson, Tice sont tous en bas de 10 points par match. Donc la perte de Kemba, est-ce que va se faire sentir là, dans le court moyen terme? Je suis plus croyant qu'on va bien jouer que Miami va bien jouer. Parce qu'on disait contre les Raptors de Toronto, après un premier quart ordinaire, les Celtics par la suite ont vraiment mis la pédale au plancher. Le banc des Celtics a également très, très bien fait contre les Raptors de Toronto, mais encore une fois, une performance exceptionnelle de Jason Tatum avec 40 points. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça, ce match ce soir. Est-ce que Jimmy Butler réussira finalement à se mettre en marche? Il a connu deux matchs très, très, très ordinaires, je dirais même très difficiles, et deux bons matchs, dont celui contre le Thunder. Donc, à quel Jimmy Butler on aura droit ce soir? Bien, c'est la grande question. Et quelle sera la formation partante? Aussi pour le Heat de Miami, qui a utilisé un 5 partant différent dans chacun de ces matchs. Donc, j'ai vraiment très hâte d'être sur les ondes de RDS ce soir pour avoir la chance de décrire ce match en compagnie de William Archambault entre le Heat et les Celtics. Rapidement, Max aussi, on a droit à tout un début de saison. Dans l'Est surtout, il y a des formations qui sont présentement parmi les 8 ou les 10 là, qui ont la chance de se qualifier pour les matchs éliminatoires qu'on attendait pas nécessairement là. Gros départ pour les Cavaliers, gros départ également pour le Magic. Les Knicks de New York jouent pour plus de 500 avec une fiche de 4 victoires contre 3 revers. Les Hawks ont eu la chance, Max, de faire le match entre les Nets et les Hawks. Et les Hawks, là, c'est une équipe qui avait remporté seulement 20 matchs la saison dernière, mais je sens que c'est vraiment une équipe là, qui peut aspirer à faire les séries éliminatoires dans l'Est cette saison. Quelle est peut-être ta plus grande surprise de ce début de saison dans l'Est? Écoute, je pense que la plus grande surprise, c'est que les quatre équipes que tu as mentionnées sont encore en haut de tableau.
Écoute, on est dans une année COVID. Jouer à l'étranger n'a pas le même effet, je te dirais, que dans les années précédentes. Tu dois faire face à plus d'adversité, si je te dis. Et c'est la même chose, jouer à la maison. Donc, si tu dis, oh, on s'en va sur la route pour 5 matchs, habituellement, tu dis, hey, j'espère que je vais jouer 500 sur la route, mais maintenant, tu pourrais jouer pour 1000 parce que tu joues vraiment dans un terrain neutre, si je peux dire, entre guillemets. Tu as juste à voyager, mais par la suite, tu n'as pas les parties qui font l'effet du sixième joueur. Dans les équipes que tu as mentionnées, c'est drôle à mentionner, les Knicks puis les Cavaliers, si tu regardes le statistique, accordent plus de points qu'ils en marquent. Mais ils ont plus de victoires que de défaites. Donc, c'est un peu. Tu regardes les. Tu sais, c'est une grosse victoire par beaucoup de points, mais qui ont perdu tout le reste de leur match. On parle des Knicks, qui est une surprise. Oui, ils ont battu les Bucks, les Pacers. Je pense que l'effet Tom Thibodeau aide beaucoup à trouver une identité à cette équipe-là. Joue vraiment bien. On dirait que c'est un joueur là, qui était dans ses belles années là, à l'Université du Kentucky. Donc, peut-être une équipe là, qui va se batailler pour la 10e place. Moi, je les voyais vraiment plus bas. RJ Barrett aussi a une bonne saison. Mitchell Robinson aussi, je pense que c'est un joueur là, très prometteur, un joueur de centre très agile, très athlétique. Orlando est peut-être la plus grande surprise parce qu'ils sont deuxième en ce moment dans l'Est. Ils ont commencé deux des 3 derniers matchs. Markelle Fultz commence à ralentir un peu, si je peux dire, ou se refroidir. Mais eux aussi jouent extrêmement bien, là. Montréalais Cam Burch, je pense, donne des bonnes minutes à son entraîneur. Vucevic, pardon, joue extrêmement bien aussi. Du côté de Cleveland, je pense qu'un joueur qui passe en dessous du radar est Colin Sexton, qui est à, je pense, 25 points par match, joueur de deuxième année là, de l'Université d'Alabama. J'ai vu sixième en ce moment, je pense que j'y voyais dernier au. Pour Sexton, Qu'est-ce que tu là, disais, j'ai ses pardon? Statistiques présentement devant le visage. C'est à 55% également. Donc, comme tu l'as dit, près de 26 points par match. Donc, vraiment, là, il est en grande partie responsable du très bon début de saison pour les Cavaliers. Brièvement, Max, une question quiz, puis je veux pas te mettre sur le spot. Est-ce que tu sais qui sont les deux joueurs présentement dans la NBA qui disputent en moyenne le plus grand nombre de minutes par match? Tu parlais Pas de devant Tom Thibodeau. moi, mais. RJ Barrett, le joueur qui joue le plus avec 38,7 minutes, et Julius Randle également avec 38,4 devant James Harden, lui qui en moyenne en joue 38. Donc, oui, les Knicks connaissent du succès. Mais pendant combien de matchs Barrett et Randle vont pouvoir jouer pendant 38 minutes? Ça, c'est la grande question. Est-ce que ça va les rattraper en fin de saison? Ça reste à voir. Chose certaine, Max, il y a une formation et pour moi, je pense que c'est la plus grande surprise dans l'Est présentement. Et on accueille justement Charles Dubébret pour en parler. Et malheureusement, cette surprise-là, ben, c'est le mauvais début de saison des Raptors de Toronto. Tu parlais, Max, plutôt de l'avantage du terrain ou du manque d'avantage du terrain. Mais pour les Raptors, c'est pire parce que ils jouent à Tampa, d'une part, et il n'y a pas nécessairement des partisans des Raptors dans les gradins. Dans le match contre les Celtics, ben, il y avait des partisans des Celtics, tout simplement. Donc, oui, il y a des partisans de basket, mais il n'y a pas nécessairement de fans des Raptors de Toronto. Donc, on ne joue jamais vraiment non plus à la maison pour les Raptors. C'est comme un peu si on va disputer essentiellement toute notre saison sur la route. Charles Dubébret, première question pour toi et peut-être la plus importante. Est-ce que c'est le temps de paniquer si on est partisan des Raptors de Toronto? Parce que vous avez juste à aller là, sur Twitter, sur Facebook, après un match des Raptors, ce fut le cas également à la suite de la défaite contre les Celtics, là. Je peux vous dire que la grande majorité des partisans sur les médias sociaux sont en mode panique. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter, Charles? Paniquer, c'est un très fort mot. Inquiet,
Ça, oui, il y a raison de l'être. Il y a plein d'éléments qui font en sorte que ce n'est pas une saison facile pour les Raptors. Déjà, bon, comme vous le mentionniez, pas davantage de terrain cette année. Sur les 100 saisons NBA, il y a seulement 47 matchs qui ont été gagnés par l'île, ce qui est du jamais ça s'explique par le manque de foule. Donc, les Raptors qui vont essentiellement jouer 72 matchs arrière dans un contexte pas nécessairement jamais profité d'être complexe. Beaucoup de sources d'inquiétude, je pense, à Toronto. Que ce soit la défense en ce moment qui n'est pas tout à fait au niveau besoin. Je veux dire, il y a quand même eu des joueurs qui ont eu des performances exceptionnelles contre les Raptors, que ce soit Jason Tatum avec ça dans le dernier match, que ce soit Ingram, que ce soit DeMar DeRozan quand ils ont joué avec Antonio. Donc, c'est compliqué pour les Raptors d'arrêter certains joueurs vedettes. Alors, quand il va quand même assez sûr le rebond défensif, d'être un peu le corps arrière de la défense sur la dernière. Donc, je leur manque aussi. L'expérience pratique, je dirais, de Pascal Siakam et de plein d'autres joueurs faciles de s'attaquer à Pascal. D'une certaine façon, il le mérite parce que c'est lui qui est la pierre angulaire de l'équipe, mais il y a beaucoup, beaucoup de joueurs en ce moment forme de ça, des attentes, que ce soit Norman Powell, que ce soit Aaron Baines, même OG Anunoby, au niveau de son tir particulièrement. Donc, moi, je dirais pas paniquer parce que les Raptors sont meilleurs que ce qu'ils ont montré jusqu'à maintenant. Il ne faut pas oublier que dans les 5 ils ont toujours eu des appoints ou plus. Donc, l'élément qui te démontre qu'ils ont quand même par moment, ils n'arrivent pas à avoir la même vision, le même esprit, et en bon français, le même avait pour finir ces équipes-là et gagner les matchs. Donc, je ne suis pas en mode panique, mais je pense qu'il y a une question à se poser du côté des Raptors. Max, comment tu expliques les insuccès présentement à l'attaque des Raptors de Toronto qui tournent essentiellement là, à 106 points par match. Ça, c'est 6 points en moyenne de moins que la saison dernière. Donc, les Raptors de Toronto, là, pratiquement au bas du classement en ce qui a trait au nombre de points par match cette saison dans la NBA. Ils sont présentement au 25e rang sur 30 formations. Est-ce que ça s'explique seulement par les insuccès de Siakam ou un joueur peut-être comme Serge Ibaka? Comme ben, en fait, l'absence de Serge Ibaka commence à nous faire mal. Ben, c'est sûr que la présence de Serge Ibaka, puis j'irais peut-être aussi loin à dire une présence défensive de Marc Gasol aiderait les Raptors. Moi, je pense que leur problème, c'est qu'ils ne sont pas capables d'enligner 4 quarts consécutifs. La plupart des matchs qu'on a vus, que j'ai vus, les Raptors ont une avance, ils perdent l'avance au quatrième quart ou ils jouent bien pendant 2 quarts, le troisième quart est atroce, puis là, ils essaient de faire du basketball de rattrapage. Je pense que c'est plus un point de vue de constance et d'avoir la même efficacité. Puis de retourner au plancher, je pense que les Raptors, des fois, essayent souvent de battre les adversaires avec le 3 points. Je sais que c'est la nouvelle. Je ne sais pas comment guillemets dans la NBA, mais c'est un bon vieux match de mettre ta tête à terre, puis driver au panier, puis d'aller te faire fauter, puis commettre des fautes sur l'adversaire, puis de revenir dans le match en arrêtant le cadran, puis réussir les tirs dans lancer franc. Peut-être que ça fonctionne. Je sais que ce n'est pas vraiment l'identité qu'on a. Les points en transition aussi, c'est quelque chose que les équipes se sont ajustées contre les équipes de Nick Nurse. On sait que les Raptors sont excellents en transition, mais que je veux dire, dans les derniers mois, puis on a vu un peu dans la bulle, les équipes adverses, surtout par exemple Boston, ont trouvé peut-être une faille contre cette transition-là. Mais je pense que même, comme Charles le mentionnait, c'est un problème de constance. Si je peux ajouter quelque chose. Vas-y. Ouais, là-dessus, je comprends le point de Max. La difficulté, je pense, c'est que c'est beau. On va se mettre la tête à terre puis on va aller chercher des lancers francs. Mais la question, c'est quand? Parce que, je veux dire, tes deux de tes pierres angulaires, c'est des gars de 6 pieds. C'est pas comme si les gens avaient besoin sur Fred VanVleet quand il va au panier. Il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire là-dessus. Celui qu'il faut qu'il fasse, c'est Siakam qui a lancé franc dans le dernier match. C'était presque autant que ses 4 premiers matchs combinés. Les Raptors prennent 50, je pense que c'est 51% de la ligue de 3 au début de l'année. Mais ce n'est pas parce qu'ils
veulent autant que ça, à mon avis, c'est plus parce qu'ils ne sont pas capables de trouver autre chose. Siakam a tellement de difficultés à se rendre au panier. Oubli, c'est un genre de joueur que, mine de rien, les défenseurs sont capables de rester devant lui aussi. Donc, c'est ça la vraie question. C'est donner ces lancers francs-là. Qui va chercher des points faciles? En général, ça n'arrive pas à le faire. Puis, ça va se terminer en tir de 3 points, de toute évidence. Puis, je pense que Nick Nurse serait le premier à vouloir en prendre un peu moins. Et avoir un peu plus de lancer franc, mais comment on va réussir à le faire, c'est ça la question. Puis même chose sur la constance, comment tu deviens constant? Parce que c'est facile de dire ça, puis de dire faut être plus constant, mais comment, pourquoi on l'est? C'est pas parce que les Raptors, à un moment donné, ils disent, bon, oui, il y a un manque de à certains endroits, puis ils finissent par mettre le doigt dessus, puis les Raptors ont leur temps fait. Il faut trouver des solutions rapidement dans tout. Mais justement, tu parles de constance, à quel point, et j'aime pas ça faire ça, mais à quel point, encore une fois, ça revient sur les épaules de Siakam. J'ai aimé quelques séquences que j'ai vues contre les Celtics de Boston. Il a été plus agile, plus rapide également pour se rendre jusqu'à l'anneau. Mais souvent, on met quelqu'un tout près de la clé. Là, malheureusement, pour Siakam, côté des Celtics de Boston, dans ce cas-là, c'était Tristan Thompson. Et lorsque Tristan Thompson se mettait devant Siakam, bien, Siakam n'avait d'autre choix que de remettre le ballon à l'extérieur parce qu'à un contre un, et fouillez-moi pourquoi, Pascal Siakam n'est plus nécessairement le même joueur. Un, est-ce qu'on met trop de pression sur Pascal Siakam? Et deux, techniquement peut-être, Charles, qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu ne vois pas de Siakam que tu voyais avant? Je pense que Pascal se laisse influencer parler beaucoup trop, à mon avis. Je pense que c'est un joueur qui a avantage à jouer sur le catch. C'est taper le ballon et jouer tout de suite dans la première zone où il l'a attrapé plutôt que d'arrêter, d'analyser la défense, de jouer un peu à la Kawhi Leonard d'une certaine façon. Quand il était au numéro 2, voire numéro 3 des Raptors, il jouait sur le catch parce que la balle était des mains de Kawhi, de Kyle Lowry sur le premier côté. Puis la balle lui est arrivée sur le deuxième côté. Les défenseurs sont en réaction, changent de côté défensif. Donc, quand il va les prendre à contre-pied, utiliser sa longueur, sa vitesse. Quand il laisse la défense aller devant lui, on sent qu'il n'y a pas tout à fait ce qu'il faut pour trouver la solution à chaque fois. Puis sa prise de décision n'est pas nécessairement la bonne en ce moment. Je pense qu'il peut faire un meilleur travail là-dessus. Lui-même l'admettrait, mais il reste que quand tu te rends au panier, en général, il y a deux ou trois raisons pourquoi tu le fais. C'est soit parce que tu es trop rapide, donc tu es passé à côté de ton défenseur, soit tu n'es pas nécessairement trop rapide, mais tu es trop fort physiquement, donc tu as réussi à créer l'espace avec la force, particulièrement ton haut de corps. Kawhi Leonard est un bon exemple de ça, de joueur qui a une certaine vitesse, mais qui en général va faire la différence avec son coup d'épaule à la fin. Ou alors, tu es tellement mis de l'extérieur. Les joueurs doivent te jouer tellement que tu prends l'avantage grâce à ça. La réalité, c'est que parce que moi, il a l'air pas tout à fait assez fort, fait assez à droite de l'extérieur. Les défenseurs sont capables de rester devant lui, de le forcer à prendre des lancers difficiles. Puis comme tu le mentionnais, pour peu qu'ils soient un peu préparés derrière, ils voient ça, ils se contentent souvent. C'est assez difficile de la remettre à quelqu'un d'autre, mais il reste de faire des passes. Le mètre de tir diminue, puis on termine souvent avec un tir à 3 points un peu complexe de OG Anunoby ou de Norman Powell, puis l'autre équipe ben, va vivre avec ça. Des lancers francs de Pascal Siakam qui aurait une vitesse énorme. Donc, techniquement et tactiquement, c'est là que Pascal doit retrouver un peu plus de vitesse, un peu plus de force, plus d'équilibre, puis meilleure lecture offensive. C'est bien beau, là, mais Siakam a de la difficulté à s'amener à l'anneau. Siakam a de la difficulté à faire des points également, mais malgré tout, on le respecte encore parce qu'on l'a vu dans le match contre les Celtics de Boston. Lorsqu'on double Siakam, et on le fait quand même souvent, je me souviens d'une séquence entre autres, on a doublé Siakam, ça a libéré Fred VanVleet à 3 points. Siakam a vu Fred et puis donc s'amener à un tir de 3 points de Fred VanVleet. Mais le moment où on va commencer à jouer du 1 contre 1 contre Siakam, on ne va pas le doubler, ben des matchs de Fred VanVleet, comme ce fut le cas contre les Celtics, où ben, il profite du fait bon, que parfois Siakam soit doublé, ça n'arrivera pas. Donc là, ça va devenir compliqué pour les autres joueurs. Et là, ce sera vraiment à Siakam de trouver ses repères.
On parle beaucoup, Charles, de Pascal Siakam avec raison. Et ce mouvement de panique ou d'inquiétude côté des partisans des Raptors de Toronto mène à notre prochain sujet, la façon dont les Raptors de Toronto sont construits présentement. Est-ce que, selon vous, les Raptors ont une chance pour le titre cette année? Je pense que la réponse, ça va prendre un mouvement de personnel, lequel, je ne sais pas, mais de la façon que c'est construit présentement, on s'en est parlé, Charles, plus tôt cette semaine. Les Raptors, c'est une bonne petite équipe. Ils vont être dans les séries. Mais si on veut vraiment accéder au prochain niveau, si on va avoir des chances de se rendre jusqu'au championnat, qu'est-ce qu'on doit faire du côté des Raptors? Est-ce que tu peux peut-être nous dresser un portrait de la façon dont cette formation-là est bâtie à court terme et à moyen terme également au niveau de la masse salariale, au niveau des contrats? Et qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Masai Ujiri? Oui, bien, dans un premier temps, Raptors, on a construit l'équipe 2013 approximativement, 12-2013, quand Masai est arrivé, puis qu'on a formé le trio Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas, qui est une équipe qui gagnait 50-52, qui a monté même jusqu'à 59 victoires, mais qu'on savait très bien tout ce temps-là, c'était une équipe qui avait gagné le championnat. Mais c'est très sympathique. Et moi, la question que je me pose, parce qu'il y a deux impondérables à ton lit, contrat, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'année et à quel point c'est une décision qui peut prise, parce que je me sens en histoire courte, si Masai échangeait quatre choix d'échange dans le futur hein, qui ne revient pas à Toronto, ça peut une certaine, disons, attitude au proprio des Raptors, puis est-ce qu'on accepte un échange comme ça? Deuxième chose, quand on construit cette équipe-là qui gagne 5 ans dans les années 2010, tout le fanbase, tous les supporters des Raptors étaient hyper contents parce que c'est la première fois qu'on construisait une équipe aussi compétitive à Toronto puis que ça devenait excitant, qu'on a atteint une finale. Maintenant qu'on a goûté à un championnat, parce que tu parlais des réseaux sociaux puis des gens qui ont les Raptors, ça va pas, nanana, etc. Ça, c'est aussi parce que les Raptors ont tellement été bons depuis quelques années que là, on n'accepte pas d'être un peu moins bons. Donc, d'un certain côté, tu peux dire Complete est 4 ans. Pascal a une extension de 4 ans qui commence cette année. OG a signé une extension de 4 ans plus son année actuelle. Donc, tes trois pierres angulaires pour le futur sont là. Et moi, je pense que ce trio-là, en quelque part, il risque de ressembler à Kyle Lowry, DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas. Donc, tu vas avoir une bonne petite équipe, mais je pense qu'on le voit en ce moment que ça ne sera pas suffisant pour aller plus. Et ce qui manque aux Raptors, on est encore, malgré le mauvais début de saison, on est encore une des cinq meilleures défenses de la NBA. On a la deuxième pire attaque. Tu mentionnais qu'ils sont 25e en termes de points par match, mais c'est influencé par le fait qu'ils jouent vite. Quand tu regardes en points marqués par 100 possessions, c'est l'avant-dernière attaque de la Ligue. Donc, ça, c'est dû parce que tu n'as pas vraiment d'option numéro 1 dans cette équipe-là. Tu as des super belles options numéro 2 comme Siakam, comme Lowry, comme Van Vliet, mais éventuellement, bon, peut-être pas partie du dur parce que c'est un gars qui va avoir 35 ans, mais on n'a pas cette option-là, numéro un. Et comment on va la... Ben déjà, interne, l'aspect Pascal devienne ça, mais plus le temps passe, plus on le voit mi-performantement, plus cette option-là de te dire est-ce qu'il va être assez bon pour gagner MVP de la finale NBA? Parce que c'est comme ça que les équipes ont des discussions, pour en avoir eu des discussions comme ça avec les équipes. Est-ce qu'il est assez bon pour être le meilleur joueur d'une équipe qui gagne la finale de l'NBA? La réponse est probablement non. Je ne sais pas qu'il va être un des 15 de la Ligue, mais il ne sera pas tout à fait assez bon. Ça ne sera pas OG Anunoby ni Fred VanVleet non plus. Donc, si tu ne l'obtiens pas là, mais que l'équipe qui gagne beaucoup de matchs, présenté au repêchage en espérant l'été prochain avoir Cade Cunningham ou un des gros prospects qui potentiellement va se jouer là, essayer de trouver une pépite plus tard dans leur style. Kawhi Leonard, 15e choix en 2011 ou Yanis Antetokounmpo, 15e choix en 2013. Mais ces joueurs-là, ça prend quand même qui atteignent leur niveau. Antetokounmpo, il est devenu un joueur majeur en 2017. Leonard, il est devenu un joueur majeur en 2014-2015. Donc, ça veut dire que si, par exemple, cet été, ce gars-là va peut-être être ton option numéro 1 en 2024 ou en 2025. Donc, c'est compliqué de te dire que c'est comme ça que tu veux l'acquérir, ton option numéro 1. Donc, la seule option qui te reste derrière, maintenant que les équipes comme Antetokounmpo, Rudy Gobert et compagnie ont disparu du marché pour l'été prochain, et puis comme tu le mentionnais, ni gros agent libre qui a signé à Toronto, ben la réponse, c'est à peu près jamais. Donc, probablement que tu passes par un échange. Ça a été le cas dans le cas de Kawhi Leonard. Et
Le problème numéro un des Raptors en ce moment, c'est leur attaque demi-terrain. Or, le meilleur joueur offensif demi-terrain de la NBA, il est disponible en ce moment, il s'appelle James Harden. Donc, est-ce que c'est bien sûr d'avoir une belle culture à Toronto? On parle de leur ambiance, de tout ce qui se vient avec les Raptors. Mais c'est drôle, ça a pris 6 matchs en début de saison, puis on est en train de dire que leur culture, leur swag a disparu, etc. Donc, est-ce que c'est le temps de commencer à penser à potentiellement dire, ben écoute, acquérir James Harden pour 2 ans, potentiellement 3 parce qu'il y a une option contrat de 3e année, est-ce que tu dis on pourrait, par exemple, construire un échange pour James Harden pour essayer de régler ce problème-là d'option numéro 1, puis on essaye de gagner le championnat de l'NBA cette année et l'année prochaine? Ça, je pense que c'est la vraie question à Toronto. Il y a beaucoup d'experts américains qui passent Toronto dans les peut-être 3 ou 4 destinations les plus plausibles. Ça veut pas dire Masai Ujiri va le faire, ça veut pas dire que les Raptors vont se convaincre d'échanger des gros morceaux, parce que force comme ça, tu as des gros morceaux qui partent, handicaper le futur des Raptors. Mais reste que si on veut pas, on doit peut-être être compétent pendant qu'on a encore un bon petit noyau en place pour essayer d'être compétitif. Oui, parce que parmi les autres formations, bon, du côté des Sixers, est-ce qu'on veut laisser aller Ben Simmons? Du côté des Nuggets, on connaît un début de saison très, très ordinaire avec 3 victoires contre 4 revers. Cela dit, pour revenir aux Raptors de Toronto, souvenez-vous que le contrat de Masai Ujiri n'est toujours pas réglé. Et est-ce que Masai va offrir un paquet de choix de premier tour et si ça ne fonctionne pas avec James Harden, bye-bye, va ailleurs? J'ai l'impression que ça va peut-être prendre un dénouement avec le contrat de Masai Ujiri pour peut-être pouvoir aller chercher un gars comme James Harden, à moins que, comme je le dis, Masai fasse cette transaction-là. Et si ça ne marche pas, ben quitte pour aller ailleurs. Max, j'aimerais t'entendre. Si ça coûtait, par exemple, Siakam, Powell, Flynn et 1 ou 2 choix de première ronde, est-ce que ça vaut la peine pour toi? Est-ce que tu penses, même avec James Harden, si tu as un noyau qui est formé de Van Vliet, Lowry, Anunoby et James Harden, et vous pouvez mettre Baines ou whatever au centre, ou même Chris Boucher, est-ce que malgré tout ça, est-ce que James Harden fait des Raptors de Toronto ou ferait des Raptors de Toronto des aspirants au titre de l'NBA si on donne Siakam, entre autres? Écoute, c'est simple. Moi, je ne toucherais pas à James Harden avec un bâton de hockey de 6 pieds. C'est pas un joueur que tu dois amener dans ton équipe. Écoute, Charles, tu es un entraîneur. Tu as un James Harden qui pense qu'il est plus gros que la planète en ce moment. Comment ce joueur-là va amener dans une culture, si on peut dire, à Toronto, puis ils vont les faire gagner? Moi, personnellement, je ne toucherai pas à James Harden. Il ne m'inspire pas confiance. Je sais que c'est un excellent joueur de basket, mais son ego est plus gros que son équipe en ce moment, puis c'est pour ça que moi, je ne jouerai pas avec un joueur comme lui. Je le prends. Ben, moi, si je peux répondre à ça... Il y a certains, oui, problèmes par rapport. Tu sais, c'est dans le sens que faire du Harden bashing en ce moment, je pense que c'est assez facile et c'est assez évident vu son pour des batailles pas trop recommandables de récents, n'inspire pas confiance. Je comprends ça d'une certaine façon. Après, je vais comparer ça à une équipe comme Brooklyn, par exemple, il y a quelques années, parce que c'est une équipe qu'on applaudissait beaucoup pour leur culture, pour le travail, l'ambiance qu'il avait créé autour de l'équipe. Ça, tu sais, tout ça, puis ça faisait une équipe qui gagnait quoi, 43, 44 matchs au mieux, puis qui va te perdre en première ronde des séries. Puis la seconde qu'on intégré Kyrie Irving, Kevin Durant, bon, Durant un peu moins, mais Irving, c'était un des gros points d'interrogation de la Ligue au niveau de son attitude, puis de ce qu'elle a amené comme culture à ton équipe. Donc, je veux dire, je me posais la question 3 fois avant de dire, ben, c'est bien, eh ben, sympathique culture pour ces séries avec des travailleurs, mais à un moment donné, si ce que tu veux, c'est gagner des championnats, je veux dire, il y a une recette 50 qui fonctionne dans l'NBA, c'est d'avoir un des 6 ou 7 meilleurs joueurs de la Ligue, puis ça, tu l'as clairement pas à Toronto au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, pas vouloir toucher Harden avec un bâton, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, pas vouloir toucher Harden avec un bâton, c'est peut-être ce qui va t'assurer
de gagner 48, 49, 51 matchs pour les quatre prochaines années, puis te faire éliminer en première ou en deuxième ronde à chaque fois, jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se dise, ben écoute, on l'a pas un joueur de premier plan, puis au jour d'aujourd'hui, ben, Kevin Durant est sous contrat. James est sous contrat à long terme, Anthony Davis est sous contrat à long terme, Antetokounmpo est sous contrat à long terme, Paul George, Jason Tatum, nomme-les, ils sont cas dans Chitch. Donc, ça veut dire que si tu ne prends pas la chance d'aller chercher Harden, je ne te dis pas que je le ferais à 200% l'échange pour James Harden, mais j'y réfléchirais sérieusement parce que donc, tu vas peut-être être coincé dans ton équipe bien sympathique. Puis le dénouement de l'équipe sympathique des années 2010 à Toronto, il est le fun. On a gagné un championnat, mais on a gagné un championnat pourquoi? Parce que Kawhi Leonard, un jour, a décidé qu'il voulait partir de San Antonio, puis on est allé en ligne, puis on est allé là, puis on a gagné. Il n'y a pas de garantie qu'en 2025, on va être capable de faire la même chose pour dire, ben, OK, là, on commence à être, entre guillemets, on en a vu assez de Siakam ou de Nobi, puis on est capable d'aller chercher un joueur prometteur qui vient pour un an, puis qui nous gagne un championnat. Donc, il y en a un qui est disponible, je pense qu'il faut vraiment que tu aies des longues réunions, puis parce que la culture, c'est une chose, mais j'ai envie de te dire, peut-être que la meilleure chose pour les Raptors, c'est de convaincre Harden d'aller faire l'échange pour Harden, de le convaincre de prendre son option sur la troisième année. Tu l'as pour 3 ans, ton espace dans l'été prochain, tu rentres, puis tu y vas avec ton 5 majeur, Van Vliet, Harden, Anunoby et Baines Boucher pour l'instant, pour l'exception des prochaines années, t'essaies d'aller chercher un joueur intérieur qui va complémenter ce groupe. Je comprends, Max, mais est-ce que ça va être le championnat? Je ne suis pas hors de toi, mais je suis plus forte que l'équipe actuelle qu'on voit sur le terrain. Parce que le problème aussi, c'est les Raptors de Toronto, en fait, le marché de Toronto, bon, c'est une grande ville, c'est un grand marché, mais dans la NBA, la seule différence entre un petit marché et les Raptors de Toronto, c'est que les Raptors sont capables de garder leurs joueurs autonomes. Parce que comme on s'en est parlé plus tôt cette semaine, Charles, et tu en as glissé un mot il y a quelques minutes, les Raptors de Toronto, là, j'ai l'impression que depuis le championnat, j'aime pas faire ça, un lien avec le hockey, là, mais ce que j'entends, là, on l'entend avec les Maple Leafs de Toronto depuis combien d'années? Chaque fois qu'il y a un gros joueur disponible, ah, il va signer à Toronto. Mais les Raptors, là, c'est rendu exactement ça. Puis c'est drôle, hein? Il n'y a personne qui signe à Toronto. Donc, j'ai l'impression que la seule façon d'amener un joueur d'impact à Toronto, c'est avec une transaction où tu le repêches. Mais comme tu l'as dit, Charles, tu repêches tellement loin que les chances d'avoir un joueur d'impact, un véritable joueur numéro un, ça va être difficile, surtout quand tu termines tout le temps dans le top 10 de la Ligue. Donc, effectivement, je pense que je pencherais peut-être plus vers la transaction pour amener James Harden. En même temps, ça dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut y aller all-in pendant 2 ans ou 3 ans ou avoir, comme tu dis, une bonne petite équipe pendant 5, 6, 7 ans? Est-ce que MNSC préfère avoir une formation qui remplit les gradins peut-être pendant 6 ans, une bonne formation à 50 victoires, 32 revers? On y va all-in puis on veut y aller vraiment pour un deuxième championnat. Max? Ah, c'est extrêmement difficile, mais je pense que le désavantage de Toronto dans la NBA, c'est que c'est un marché canadien. Il ne faut pas se le cacher. J'écoute encore les entrevues de Kyle Lowry qui dit que la première fois qu'il est arrivé à Toronto, il n'avait pas ouvert ses valises parce qu'il voulait s'en retourner aux États-Unis le plus rapidement possible. C'est comme, on dirait que c'est encore l'impression que certains joueurs me donnent de dire « Ah, je ne veux pas aller au Canada, c'est un autre pays, il fait froid ». Il habite dans un igloo, tous ces clichés-là, malheureusement. Ce qui amène à peut-être le désavantage, mais Toronto, si tu regardes, c'est un des plus gros marchés en termes de population. Je pense que c'est la 4e plus grosse ville en Amérique du Nord. T'sais. Exactement. C'est juste que, malheureusement, on est 3 Canadiens ici, mais la mentalité des fois des Américains versus un marché canadien est totalement différente. Ce qui est la plupart du temps, c'est que j'avais cette de Toronto, mais finalement, la ville, tout ce qui est là, les partisans, tout ça. Mais c'est vraiment difficile. Puis si je reviens, c'est sûr que James Harden, si tu regardes les propriétaires, ça fait vendre des billets. Et c'est un joueur spectaculaire. Mais toutes les à côté, puis tout ce que tu pourrais liquider pour lui,
C'est un choix extrêmement difficile. Moi, personnellement, en état de basket, quand je vois un joueur qui est comme ça, qui pense qu'il est plus gros que l'équipe, c'est sûr que pour point de vue chimie, c'est très difficile d'avoir un bon esprit d'équipe, une bonne chimie. Puis malheureusement, James Harden ne m'a pas prouvé jusqu'à présent qu'il est capable d'amener son équipe jusqu'au dernier niveau. C'est ça qui est un peu difficile dans le comprendre exactement les points de charge pour une petite équipe, d'avoir un boost offensif. Mais si tu es en train de geler, toucher ton esprit d'équipe, c'est extrêmement difficile. Puis tu sais, l'adversité, je reviens encore, James Harden, si ça va bien, tout le monde est souriant, il score des points, l'équipe gagne, c'est parfait. Mais aussitôt que tu commences à avoir une série de défaites, puis que lui, il va commencer à penser à lui au lieu de penser à l'équipe, c'est là que ça va être au déprimant de ton équipe, ça va être extrêmement difficile. Ben, moi, je vais complémenter là-dessus, par contre. L'esprit d'équipe, ces termes-là qu'on mentionne dans le sport, ça me fait toujours rire, parce que oui, c'est important d'avoir un bon esprit d'équipe, mais c'est des discussions, par exemple, quand on parle des Canadiens de Montréal, ça fait 20 ans qu'on n'est pas compétitif, puis tout ce qui est l'esprit d'équipe, il n'y a personne qui mentionne ce qui gagne les championnats, c'est pas l'esprit d'équipe, c'est le talent, dans un premier temps, puis l'esprit d'équipe se rajoute là-dessus. Donc, dans les équipes qui ont du talent, bien, ça prend un esprit d'équipe en plus, mais avoir un esprit d'équipe qui passe pour l'équipe qui gagne comme ça. Je veux dire, raison pourquoi les Warriors ont gagné plein de championnats, puis que LeBron James gagne des championnats, puis que Tim Duncan a gagné des championnats, Kobe Bryant a gagné des championnats. Je veux dire, les Lakers n'avaient pas un excellent esprit d'équipe quand c'était Shaq et Kobe, puis ils gagnaient parce que c'était eux. Et les Bulls non plus avec Jordan. On va s'entendre. Ah, c'est vrai. Pour moi, c'est quelque chose qui est surestimé. Puis l'esprit d'équipe, je veux dire, on applaudissait, comme je disais, les Raptors pour leur esprit d'équipe. C'est drôle, aujourd'hui, ça a pris 6 matchs, puis on ne parle plus beaucoup d'esprit d'équipe, là, on parle des Raptors. T'sais. Donc, ça part vite, ces choses-là, ça vient avec les victoires. C'est une vraie question, d'ailleurs, dans les états-majors NBA. Est-ce que c'est gagner t'amène un esprit d'équipe ou c'est l'esprit d'équipe qui t'amène des victoires? C'est la poule ou c'est l'œuf? Fait que moi, ce que je veux dire, c'est que déjà, là où je vais mettre un nom, on dit qu'il n'est pas capable d'amener l'équipe jusqu'au bout. Je veux dire, si Chris Paul ne s'était pas les équipes au Jambon, elle serait probablement différente. Je pense qu'en 2018, il aurait gagné l'équipe si ce n'était pas les équipes au Jambon. Pour l'ensemble de cette saison-là, tu regardes un nombre énorme de variables sur les Rockets. C'était la meilleure équipe de l'NBA. Malheureusement pour lui, quand il mène 3-2 contre les Warriors, Chris P. 16 ans à la fin, est-ce que Harden a ses défauts? Bien dans les hommes, mais j'ai envie de dire, est-ce qu'une équipe comme Toronto, ça serait pas parfait pour James Harden aussi? Parce que défensif, à côté de lui, il aurait Van Vliet, qui est un excellent défenseur, OG Anunoby est un excellent défenseur, puis un protecteur de panier comme Chris Boucher. Est-ce que c'est pas ça le genre d'entourage parfait avec un coach très, très solide, un des meilleurs de la ligue, si ce n'est le meilleur, un environnement d'équipe hyper positif, un président d'équipe qui est à peu près le plus respecté dans la NBA? Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas dans un environnement comme ça que James Harden serait à son meilleur? Donc, encore une fois, j'essaie de me faire l'avocat du diable et de dire, en ce moment, tout le monde bâche James Harden, c'est futile. Mais on peut aussi dire, James Harden, là, il a fait le tour des bords de l'Amérique, il s'est pas bien entraîné, il est revenu jouer sa première, il a fait 44 points, 17 passes décisives. Moi, je le trouve toujours à Toronto qui est capable de faire moins 17 passes décisives dans un match. Puis d'avoir cet impact-là sur l'équipe. Harden, c'est top 3 au MVP à chaque année 2014. C'est le meilleur NBA de loin depuis 3 ans. C'est le joueur le plus productif de l'histoire de l'NBA. Donc, on parle vraiment d'une force offensive. Je ne te parle pas d'un joueur moyen offensivement, un joueur élite. Puis ça, il ne faut pas le plus. Oui, il y a ses défauts. Est-ce que c'est le joueur qui a la meilleure culture? Non. Mais je veux dire, à un moment donné, la culture, jusqu'à quel point ça a fait un championnat à Brooklyn avec leur équipe d'il y a 2 ou 3 ans, du tout. À un moment donné, si tu as le choix entre le talent élite qui te permet d'envisager de gagner des championnats, ton esprit d'équipe, tu le construiras autour, pour moi. Puis, je vais te mettre ma parenthèse esprit d'équipe là-dessus. Quand tu lis des articles, tu te rends compte que les équipes de Kawhi Leonard récemment ne sont pas réputées pour leur esprit d'équipe. Ça a posé un problème l'année passée aux Clippers. On l'a vu, ils ont perdu en série. Il reste que les Clippers aujourd'hui sont encore dans la course pour gagner un championnat. L'esprit d'équipe de Toronto était comment l'année qu'ils ont gagné le championnat par rapport à l'an dernier? Pour moi, ils étaient bien meilleurs l'année passée, mais ils n'ont pas gagné le championnat alors qu'avec tous les arrangements qu'on a fait avant. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut mettre un bémol sur
ce mot, je trouve que c'est très fort dans la bouche des équipes moyennes qui essayent de passer de 37 victoires à 43 victoires. Mais les équipes, les Lakers, ils n'ont pas gagné le championnat à la cause du respect d'équipe. Ils ont gagné parce qu'ils ont LeBron James. Bonne nouvelle, messieurs. Pas de problème de ce côté-là. L'esprit d'équipe là, est parfait présentement dans la balado du centre-ville. C'est vrai. Merci encore une fois pour ton temps et au plaisir là, de te revoir vendredi sur les ondes de RDS là, pour notre programme Doom. Donc, on va apporter quelques boissons énergisantes et quelques collations également. Je pense qu'on va en avoir besoin. Mais vraiment, on va passer une belle soirée et un début de nuit également à l'antenne de RDS. Donc, on se revoit dans deux jours ben, pour ceux là, qui nous écoutent mercredi le 6 janvier. Max Boudreau, si tu le veux bien, on va mettre un terme à ce balado avec tes héros et les zéros, donc les héros et les zéros de Boudreau pour cette première édition du balado du centre-ville de 2021. Exact. C'est un peu à la saveur joueur de la semaine, si je pourrais dire. Mon héros là, de la NBA des derniers jours, on peut pas dire performance puis de la semaine que c'est eu. Son match de dimanche, incroyable. Écoute, Steph en ce moment a 32 points par match, c'est le deuxième de la Ligue. Puis il est à un point, on parle de James Harden. James Harden est premier de la Ligue en ce moment à 33, mais Steph a joué 4 matchs de plus. Donc, je le mets là, vraiment mon... puis sa performance là, dans la victoire contre Portland. Tu sais, il ne faut pas le mentionner, Portland, tu as Damian Lillard, CJ McCollum, c'est d'excellents joueurs. Steph est arrivé avec une performance de 62 points, 18 en 31, dont 8 en 16, 50% de 3 points. Donc, la performance de l'année jusqu'à présent, là, donc mon héros Boudreau, si je peux dire, de la semaine. Ce qui m'amène à parler de mon zéro. Malheureusement, Blake Griffin des Pistons de Détroit. Seulement 15 points par match. Les Pistons sont dans les bas-fonds de la Ligue en ce moment. Je pense que toute l'organisation au complet là, a ma note de zéro. Qu'est-ce qu'ils ont fait mal leur saison? Dans leur entre-saison, ils sont allés chercher 5 big men dans une Ligue où ce que t'as, c'est de moins en moins vu des big men dans la Ligue. Ils sont allés chercher Mason Plumlee, Okafor, Dwayne Denman qui sont allés échanger, donc sont allés acquérir, puis après ça, qui l'ont wavé, qui l'ont laissé partir. Tony Bradley, Isaiah Stewart, tous ces joueurs-là pour complémenter Blake Griffin. Puis Blake Griffin, là, écoute, il leur donne 36 millions par année. Il fait un maigre 15 points par match. C'est plus le joueur qui était avant. Les blessures l'ont accumulé. Se sont accumulés, pardon, pour lui. Tu rajoutes à ça les Pistons de l'entre-saison. On a échangé Luke Kennard qui joue extrêmement bien aux Clippers. On a échangé Wood qui est à peu près l'option numéro un à James Harden. Là, je sais que John Wall revient, mais qui a eu un excellent début de saison. Là, on en a parlé dans notre à la mi-temps là, du match des Hawks puis des Nets. Mm-hmm. T'as leur joueur recru, Killian Hayes, là, le joueur franco-américain qui est blessé à la hanche en ce moment. Donc, tout va mal là, à Détroit. Là. C'est pour ça qu'ils ont ma note là, de zéro. Le zéro Boudreau là, de ce podcast est à Blake Griffin, à l'organisation des Pistons, au directeur général Troy Weaver. Puis, j'ai une petite pensée pour l'ancien entraîneur Dwayne Casey là, qui doit trouver le temps long là, à Détroit en ce moment. Oui, c'est vraiment pas évident, puis honnêtement, ça n'ira pas... en fait, je crois que ça peut pas vraiment être pire que présentement, mais ça va prendre quelques années là, avant de... On va avoir des choix au repêchage sûrement, ou dans les prochains repêchages, il faudrait espérer gagner la loterie, qui est pas... c'est le non plus, là, si tu mets ça à défaut de la chance, mais... Je veux pas utiliser le terme « ils vont tanker cette année », mais ça augure pas bien. Là. Puis le pire, c'est que si tu regardes juste en haut des Pistons, c'est les Raptors qui sont avant-derniers. C'est les deux équipes de la Ligue avec juste une victoire en ce moment. Donc, la situation, je veux pas dire, est extrême à Toronto. Je pense qu'on a eu un excellent débat entre Charles et nous.
Mais je ne sais pas s'il faut crier sur le mot panique et dire échanger un Pascal Siakam pour aller chercher un James Harden. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Ouais, ben on va évidemment souhaiter que les Raptors de Toronto retrouvent le chemin de la victoire. Les Raptors de Toronto, ce soir, vont disputer le premier d'une séquence de 4 matchs sur la route dans l'Ouest américain. Ça commence donc contre les Suns de Phoenix. Ça risque d'être difficile ce soir. Par la suite, vendredi soir, ce sera contre les Kings de Sacramento, un match qui sera d'ailleurs disputé sur nos zones. Par la suite, dimanche, Golden State et Portland lundi. Donc, je vous rappelle, il y a 4 matchs à l'antenne de RDS et de RDS2 cette semaine. Et ça commence ce soir avec une reprise de la finale de l'Est entre le Heat de Miami et les Celtics de Boston. J'aurai la chance de décrire ce match en compagnie de William Archambault. Match demain également et programme double sur nos zones, comme je l'ai mentionné plus tôt vendredi. Max Boudreau, toujours un plaisir de faire ce balado en ta compagnie. On se retrouve donc dans 2 semaines. La mémoire est bonne, donc ce sera le 20 janvier prochain. Une autre édition du balado du Centre-Ville. Donc, une autre édition des héros et des zéros de Boudreau. Très hâte de te retrouver dans 2 semaines. À tous, merci beaucoup d'avoir été là et d'être si nombreux à l'écoute du balado du Centre-Ville. Et on se retrouve dans 2 semaines. Bonne journée tout le monde.